Dans cette vidéo, nous explorerons les implications profondes et souvent cachées du péché sexuel. Ne fermez pas les yeux devant cette réalité percutante. Découvrez comment le péché sexuel peut affecter tous les aspects de votre vie. Il est temps de faire face à la vérité et de prendre des décisions qui transformeront votre destin. Cette vidéo pourrait être le point de basculement dont vous avez besoin. Il y avait un temps où le péché était appelé par son nom correct, lorsque les gens n'avaient pas peur de dire que le péché était un péché. Il y avait un temps où il y avait des normes et des limites. Ceci était acceptable, cela ne l'était pas. Les normes morales et les limites étaient connues et respectées. Les normes divines étaient connues et observées. Il y avait un temps où s'engager dans des comportements et des activités spécifiques était mal vu et les gens auraient honte d'y participer. Il y avait un temps où la sexualité était une affaire privée entre un mari et une femme et s'en écarter était impensable. Bien sûr, les gens se sont engagés dans des comportements pécheurs tout au long de l'histoire. Mais ce n'était jamais quelque chose à célébrer et à glorifier jusqu'à présent. Maintenant, je crois que le diable a travaillé en silence. Il a été subtil et rusé. Et ce qu'il a fait, c'est utiliser le divertissement, la musique et toutes les formes de médias disponibles pour démanteler les valeurs divines liées au sexe. La norme de la parole de Dieu est que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit pur. Mais le diable l'a perverti et a promu la fornication dans la musique, les films et la société. Maintenant, le mariage est honoré de tous et le lit conjugal est pur. Mais le diable a promu l'adultère et les aventures. Satan a construit une sorte d'acceptation parmi les gens selon laquelle le sexe en dehors du mariage n'est plus un péché. Ces mensonges sont qu'il n'y a pas de honte, qu'il n'y a pas de conséquences dans la sexualité en dehors du mariage. Ces mensonges sont qu'il n'y a pas de honte, qu'il n'y a pas de conséquences en ce qui concerne le nombre de partenaires sexuels qu'une personne peut et doit avoir. Mes amis, nous vivons à une époque où le péché sexuel a été normalisé par le diable. Mais il y a quatre effets du péché sexuel que j'aimerais souligner. Le premier effet du péché sexuel est que vous ouvrez des portes spirituelles avec une autre personne. Et la plupart du temps, vous ne savez pas ce qui se trouve derrière ces portes. Que signifie cela? Eh bien, lorsque nous nous engageons dans le péché sexuel, nous péchons contre nos propres corps. La sexualité est spirituelle, conçue par Dieu comme un lien spirituel entre un mari et une femme. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un, c'est ce que dit la Bible. Donc même quand il est perverti, ce principe reste vrai pour le comportement sexuel en dehors du mariage. Lorsque vous vous unissez à une autre personne, vous êtes toujours unis comme une seule chair, et un lien spirituel se forme. Écoute, lorsque tu fais cela, tu t'ouvres spirituellement, et le point ici est que tu ne sais pas d'où l'autre personne vient. Tu ne sais pas à quels esprits ils se sont unis, qui sont maintenant unis à toi lorsque tu te couches avec eux. Tu ne sais pas à quoi tu t'ouvres. Nous avons tendance à penser que Dieu était répressif et cruel en limitant le comportement sexuel, alors qu'en réalité, il essayait de nous protéger des puissances et des principautés, des gouverneurs des ténèbres de ce monde, des forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Alors, la question que je me pose est pourquoi n'avons-nous pas écouté l'avertissement de Dieu? Par conséquent, le premier effet du péché sexuel est que tu t'ouvres spirituellement. Le deuxième effet du péché sexuel est que tu crées des liens d'âme et des attachements avec quelqu'un qui peut potentiellement être destructeur pour toi. En plus du potentiel d'adopter les esprits de multiples partenaires, tu te lies également à des personnes qui seront destructrices pour ton âme, ton esprit et ta vie en général. Oh, fais attention, sois très attentif à qui tu te lies. Un exemple des Écritures est Achab et Jézabel, dans le premier livre des Rois. Achab était déjà impie, mais son union avec Jézabel a poussé sa méchanceté à un autre niveau. Son lien avec Jézabel a été extrêmement destructeur pour lui et pour la nation d'Israël. Lorsque tu unis ton âme à celle de quelqu'un dont l'âme n'est pas engagée à suivre les voies de Dieu, tu ouvres ton âme à la corruption. Tu ne réalises pas que la personne que tu choisis de lier peut avoir une influence sur ton âme. Et en ce qui concerne le péché sexuel, tu unis ton âme à une autre âme. Par conséquent, si tu lies ton âme à plusieurs autres âmes
qui se sont liés à plusieurs autres âmes. Maintenant, tu as des liens d'âme avec des personnes que tu n'as même pas rencontrées personnellement. Plusieurs personnes que tu n'as jamais rencontrées en personne. J'aimerais savoir quelles âmes sont en moi. Je préférerais n'en avoir qu'une seule. En fait, nous devrions toujours être attentifs à ces influences corruptrices et protéger nos âmes. Le troisième effet du péché sexuel est la séparation de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, et la mort finale, c'est la séparation de Jésus-Christ. Si nous sommes activement impliqués dans le péché, nous nous séparons activement de Dieu. Et si nous nous séparons activement de Dieu, nous choisissons activement d'entrer dans la mort. Je ne sais pas pour toi, mais je préfère de loin entrer dans la vie que dans la mort. Vaut-il la peine de quelques minutes de plaisir pour une éternité de douleur? Sont quelques relations éphémères? Vaut-il la peine de ton éternelle relation avec Dieu? Non, il n'y a pas de condition plus grande que d'être dans la présence de Dieu. Libérons-nous des péchés de la chair et plongeons dans la vie de l'esprit. Maintenant, l'effet final du péché sexuel est que ton désir te capturera. Plus tu le nourris, plus tu en deviens esclave. Je ne peux pas penser à un meilleur exemple que l'histoire de Samson dans les Juges 13-16. Dieu a appelé Samson à libérer son peuple des Philistins. Cependant, Samson avait une faiblesse pour le péché sexuel. Il s'écartait constamment de sa mission et était détourné par ses relations avec des femmes philistines. Le verset 14:3 du livre des Juges dit clairement « Alors son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et parmi tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car elle me plaît beaucoup. » Samson était entièrement dominé par ses passions et désirs, et ils devinrent sa ruine. Il se retrouva sans pouvoir, aveugle et pourrissant dans une cellule de prison, au lieu de réaliser le dessein pour lequel Dieu l'avait appelé. En s'engageant dans le péché sexuel, on s'éloigne du dessein de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, éloignons-nous de ce que Dieu a interdit et courons vers ce qu'il a approuvé. Dieu ne nous a pas donné ses règles pour être sévères et cruels. Il les a données parce qu'il essaie de nous épargner des ennuis, de la tristesse et de la douleur. Écoutons la parole de Dieu et fuyons l'immoralité sexuelle. Repentons-nous et cherchons à être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Vivons dans la pureté, recherchant la sainteté et suivant Jésus. Le choix est vôtre, péché ou rédemption. Alors que nous concluons cette profonde réflexion sur les conséquences du péché sexuel, la décision finale est entre vos mains. Vous pouvez choisir de continuer sur le chemin du péché en ignorant les avertissements ou choisir de chercher la rédemption, la pureté et une vie en accord avec les principes divins. Le voyage est exigeant, mais la récompense est éternelle. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer le cours de votre vie. Que cette réflexion vous inspire à prendre des décisions qui vous conduiront vers une vie de plénitude, de paix et de proximité avec Dieu. Le choix vous appartient. Optez pour la rédemption et découvrez la véritable liberté spirituelle.